Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le nouveau bilan acquisition de la semaine. J'ai pas grand chose à vous présenter, surtout des partenariats et de l'autre concours. Donc je vais commencer par ces derniers. Alors, tout d'abord, j'ai gagné sur la page Facebook des chroniques de Neliel, donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. J'ai gagné les deux marque-pages pour les deux premiers tomes de la série, donc des chroniques de Neliel. Voilà. Avec une petite dédicace au dos de chaque. Ensuite, j'ai gagné sur la page Facebook de Fébusa. Donc, je vous mettrai également le lien sous la vidéo. J'ai gagné Dangereuses créatures de Camille Garcia et Margaret Stoll chez Black Moon. Donc, ça tombe très bien parce que du coup, j'ai lu le dernier tome de la série, Les Chroniques des Enchanteurs, 19 lunes. Je l'ai terminé hier. Donc, je vais pouvoir attaquer celui-ci très bientôt. D'autant que je suis très curieuse de voir ce que ça donne avec des personnages différents. Donc, je pense le lire au plus vite. Ensuite, au niveau des partenariats, j'ai reçu de la part des éditions Lumène. Gardiens des cités perdues de Shannon Messenger, donc qui est quand même un beau pavé, qui fait, que je vous dise ça, ouais, dans les 500 pages. Donc pareil, celui-ci, je vais essayer de le lire assez vite. Avec, j'ai reçu le petit extrait de King's Game, donc un roman que j'ai déjà lu et que vous pouvez retrouver mon avis sur le blog. Ensuite, j'ai reçu en partenariat avec les éditions de l'Épée et le livre de poche le tome 1 d'Animae, l'esprit de loup de Roxane Dambre. Voilà, c'est celui-là qui était dédicacé. Et enfin, j'ai reçu plusieurs partenariats des éditions Nathan, donc des épreuves non corrigées essentiellement, donc deux en format comme ça et les autres avec les gros anneaux. Alors d'abord, il y a, il me semble que ça doit être le tome 1 celui-ci, enfin je pense, donc Le Club des Tongs, l'été des mystères d'Hélène Richardson, donc à paraître le 3 juillet. Ensuite, Cool Sweet Hot Love d'Erin McCann apparaîtra également le 3 juillet. Et au niveau des éditions, enfin de la version avec Anneau, donc le tome, enfin je pense que c'est le tome 2, c'est pas. Oui, c'est le tome 2, donc Le Club des Tongs, tome 2. Trois filles à la mer, toujours donc de Hélène Richardson. Or celui-ci est à paraître, je ne sais pas, le 3 juillet également. C'est pas indiqué. Bon, celui-ci, je ne sais pas. J'ai reçu également le tome 2 de La pire mission de ma vie. Donc La pire mission de ma vie n'est pas finie, de Robin Banway. Donc, apparaître le 10 juillet, celui-ci. Et enfin, le tome 5 de Merlin, les ailes de l'enchanteur de Théa Baron, qui est à paraître le 3 juillet également. Voilà, c'était tout pour cette semaine et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau bilan.